que j'ai déjà défini, fait pression de plus en plus pour déclarer la guerre à Poutine. On voit que c'est d'abord les, les censures euh, médiatiques, la diabolisation, euh, les embargos économiques et les mesures, euh, les mesures euh, économiques, et la pression militaire qui s'exerce à travers euh, l'OTAN, et qui, je rappelle, s'exerce sur sa frontière ouest, car je rappelle que le pouvoir euh, russe, qui est un pouvoir, on va dire, euh, blanc euh, orthodoxe, est totalement euh, collé. Алоероп де Луэст, я и по Базанато подвигаются к нашим западным границам. Инфраструктура приближается, интенденты увеличиваются. Но о чем мы должны делать? Смотреть на это, что ли? Мы же все время говорили, что это ерунда, что нас обманывают. Нам говорили, нет, обязательно, только Иран и все. Ce qui veut dire que la menace militaire qui s'exerce aujourd'hui contre la Russie et la Russie peuplée, la Russie décisionnaire, s'exerce par l'armement de l'OTAN qui se situe en Europe occidentale. Hein, vous regardez la carte euh, du nord au sud. Euh, alors aujourd'hui, ça, intéressant, ça ne comporte plus... Euh, la, la, la Turquie d'Erdogan, hein, c'est-à-dire que donc, le danger pour Poutine euh, euh, se situe sur sa frontière ouest, c'est-à-dire en, en, en Union européenne. Ce qui veut dire que si Poutine, à un moment donné, veut échapper à un danger d'attaque militaire violent, il faudra qu'il qu 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 en passe par un blitzkrieg et qu'il fasse ce qu'il a fait finalement euh, en Ukraine, euh, très intelligemment, enfin, dire en Crimée, c'est-à-dire qu'il envahisse l'Europe occidentale préventivement. Et là, ce qui se passera, c'est qu'en une semaine, il sera à Brest. Si la Russie décidait d'envahir l'Europe, l'Union européenne n'aurait aucune chance de contrer cette offensive. C'est ce qu'affirme Richard Barons, l'ancien général en chef de l'OTAN, aujourd'hui retraité au Times. Pour lui, la Russie pourrait envahir l'Europe en 48 heures grâce à ses troupes, ses avions de guerre et ses navires. La situation l'inquiète alors qu'il faudrait deux mois à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour poser pied en Russie. Si on dresse une liste des capacités militaires de l'OTAN, nous avons bien plus de moyens que la Russie. Mais la plus grande partie de notre capacité militaire se trouve dans un état de semi-sommeil. L'OTAN ne pourra réagir face à une offensive de la Russie pour la simple et bonne raison qu'il n'existe aucun plan. Et, et là va se passer quelque part la, la possibilité... De la nouvelle révolution nationale française, je dirais quelque chose qui, qui, qui est le, le, notre seul salut possible. Car là, je le dis, le peuple de France qui n'a déjà pas été capable, comment dirais-je, de, de se régénérer par elle-même, euh, par lui-même euh, sous Pétain, puisqu'il a fallu en passer par la défaite face à l'Allemagne, euh, notre peuple est bien plus dégénéré encore que le peuple du, du Front populaire. Hein. Ensuite, mon pénis, ça a été un choc émotionnel <laughs> parce que bon, j'avais quand même un. Un zizi visible hein, dans, le, dans un pantalon. Et aujourd'hui, bah, on ne le voit plus du tout, en fait. Limite, je dois le chercher dans ma culotte. Comme tous les soirs, ils se retrouvent pour dîner ensemble. Bangali, Brahima et Florine, une jeune infirmière de 25 ans, qui a choisi d'accueillir chez elle ces deux adolescents guinéens de 15 ans. La jeune fille avoue n'avoir pas hésité. Comme elle avait des chambres disponibles chez elle, Florine a immédiatement proposé d'en héberger certains. Et sachez bien que nous préférons nous faire défourailler par des racailles de banlieue, comme vous diriez, plutôt que de vous toucher avec un bâton, là, avec la France aux Français, là. Faites-vous la fachosphère aux facho là. C'est qu'aujourd'hui, le peuple de France, tel qu'on doit, qu doit le définir, c'est-à-dire qu'il aime son pays et qui se bat pour son pays et qui incarne, je dirais, le, le principe de réalité, hein, c'est-à-dire le, le, le principe de production. Ce peuple de France est minoritaire aujourd'hui. Comme disaient d'autres à une autre époque qui disaient je souhaite la victoire de l'Allemagne, je souhaite... Euh, euh, que les provocations contre Poutine continuent, que ces provocations belliqueuses menées par qui vous savez arrivent à un tel point qu'il soit obligé préventivement, pour éviter le chaos euh, et l'apocalypse de la Troisième Guerre mondiale, qu'il envahisse préventivement l'Europe occidentale où sont les forces de l'OTAN, et que ça nous permette une révolution nationale qui nous permette de redresser la France. Et je le dis déjà, je souhaite participer, et c'est le mot collaborer à ce redressement, et je me mets déjà à disposition. Hein voilà. Je, 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 je souhaite euh, euh, de tout mon cœur être euh, le degrès français.